Donc, merci d'abord à Yves de nous avoir invités à venir présenter ces travaux. Alors, quand je dis nous, c'est parce que cette présentation, en fait, c'est vraiment quelque chose de collectif, de collégial. Il y a un nouveau groupe qui s'est créé à Grenoble autour de la fabrication additive depuis un an à peu près, qui regroupe des gens de la conception, Frédéric Vignat, François Villeneuve, des gens de la métallurgie, Jean-Jacques Blandin, à qui j'ai préparé particulièrement cet exposé, Guilhem Martin, puis des gens de la modélisation, un peu plus comme moi. Et puis j'empruntais beaucoup à des thésards, Nicolas Béraud, Mathieu Suard et Benjamin Vert, qui ont débuté leur thèse sur le sujet. Alors je vais resituer un tout petit peu le contexte. Je reprends ce qu'a expliqué Yves ce matin. On est dans le cadre... qu'est-ce que je fais ça? Voilà. Le contexte, c'est... Le contexte du matériau by design, hein, la complexité des requêtes, des cahiers des charges, on veut un matériau tout en un qui fasse tout et son contraire. Pour résoudre ça, on est obligé de jouer sur les compositions, les microstructures, d'associer les matériaux, et puis de se donner des leviers supplémentaires, les leviers qu'a évoqué Yves ce matin, jouer sur la morphologie, la topologie. Et là, je vais m'astreindre à une échelle qui lui est chère, à l'échelle du millimètre. Donc, on a le concept de matériaux architecturés à cette échelle. Et une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'on est capable d'élaborer ces matériaux tels qu'ils peuvent ressortir de processus d'optimisation les plus complexes fussent-ils. Est-ce qu'on est capable de les fabriquer? Donc là, arrive un nouveau concept qui est le concept de fabrication additive. Est-ce qu'on est capable de fabriquer ces matériaux architecturés à une échelle du millimètre? Donc, dans ce contexte, moi, je vais présenter une première partie sur le... Alors, ça se veut pas exhaustif, ça se veut pas magistral, hein, ça fait un an qu'on travaille là-dessus à Grenoble. Je vais présenter les ingrédients principaux de la fabrication, de ce qu'on appelle fabrication additive, présenter quelques exemples de procédés et d'applications, et puis je me recentrerai dans la deuxième partie sur quelques enjeux clés liés à la fabrication additive et surtout liés aux matériaux architecturés métalliques. On parlera donc de design, d'optimisation, de modélisation de la fabrication, du contrôle des microstructures et des propriétés, du contrôle des architectures, puis on verra comment ça peut déboucher sur de nouveaux matériaux. Alors, si on veut résumer le concept de fabrication additive en quelques mots, je dirais qu'il y a trois ingrédients. Alors, fabrication additive qu'on retrouve sous différentes dénominations, ça peut être imprimante 3D, prototypage rapide. Les trois ingrédients, c'est d'abord un modèle numérique d'un objet qu'on va découper en tranches. On va voir pourquoi, numériquement. Ces tranches vont correspondre en fait aux incréments de construction. Le deuxième ingrédient, c'est un matériau, que ça peut être un polymère, une céramique, un métal. On parle maintenant de faire des imprimantes 3D pour construire des matériaux pour l'alimentaire ou pour le bio. Sous forme liquide, sous forme de poudre, sous forme de solide, sous forme de fil par exemple. Et le troisième ingrédient, c'est une source d'énergie. Alors qui peut être de la lumière, UV, un laser, un faisceau d'électrons, ça peut être de l'effet Joule. Et l'idée, c'est qu'on va, avec cette énergie, venir transformer ce matériau, soit le polymériser, le réticuler, soit le friter pour une poudre, soit carrément le fondre et le resolidifier. Et ceci, et c'est les deux mots-clés pour la fabrication additive, couche par couche, d'où l'idée du slice ici, et sélectivement. C'est-à-dire qu'à certains endroits, effectivement, on viendra appliquer cette énergie, à d'autres endroits, on laissera le matériau tel quel, sous la forme de poudre, par exemple. Alors, il y a maintenant, c'est dans les années 80, qu'il y a eu les premiers procédés comme la stéréolithographie. Alors là, ça s'adressait à des photopolymères. On avait dans un bain d'une résine liquide, ici. Et puis, on avait un piston, une plateforme de construction, et on venait, avec un laser, réticuler la résine. Donc, ça pouvait se faire aussi. Donc, ça pouvait se faire sélectivement à certains endroits. Et puis, on abaissait d'un incrément le piston, on avait le liquide qui revenait et on faisait ça couche par couche.
Une autre technique pour les polymères, là c'est plus pour la fusion. On va venir faire passer à travers une buse chauffée par une résistance électrique, un fil d'un thermoplastique, ça peut être du PLA, de l'ABS, qu'on va venir déposer aussi donc couche par couche à certains endroits, toujours suivant un modèle numérique. Là, c'est le grand boom de cette technique-là pour tout ce qui est des petites imprimantes 3D, je dirais, de bureau qu'on trouve maintenant. On trouve de telles imprimantes dans tous les collèges, dans tous les lycées. Pour moins de 1000 euros, les gens peuvent se fabriquer cette imprimante. On peut avoir une imprimante comme ça chez soi. Il y a des réseaux. Là, par exemple, j'ai cité le réseau RepRap, là, comme Replicated Rapid Prototyping. Où ces imprimantes peuvent pratiquement, alors c'est le vieux rêve de von Neumann, peuvent se répliquer. Disons que la plupart des pièces d'une imprimante peuvent être construites par la même imprimante. Bon, il y a quelques pièces qu'elle ne peut pas encore construire, mais ça, c'est un petit peu, voilà, l'idée. Toutes ces pièces-là, par exemple, ces types d'engrenages-là, sont construites par une imprimante, et ensuite les gens comme ça construisent d'autres imprimantes pour le voisin, etc. Il y a toute une communauté qui se forme autour de ces petites imprimantes. Ça reste pour des matériaux polymères. Si on passe à un niveau un petit peu au-dessus en termes au moins de grosseur et de précision de l'application, on a des imprimantes 3D type imprimante jet d'encre. Là, on va avoir, on trouve ici, on a des cartouches d'un liant coloré qui va venir infiltrer, alors encore pareil, couche par couche, des poudres de plâtre ou des poudres de polymère. Et on peut venir, à l'issue de cette déposition, venir faire une imprégnation, donc par un polymère, par une résine, pour venir durcir un petit peu l'ensemble. Alors là, on peut créer des choses avec différentes couleurs. Là, on a réellement l'imprimante, l'équivalent de l'imprimante couleur en 3D. Ça reste encore pour des matériaux polymères. Si on passe du côté des matériaux métalliques, on a un premier type de machines qui sont. Alors là, on va parler de déposition, on ne va pas parler à proprement parler de fabrication 3D, de fabrication additive, couche par couche. Là, ici, on n'a pas une couche de poudre qu'on vient chauffer localement. Les poudres sont amenées par des buses, elles sont ensuite projetées dans le faisceau, elles vont fondre sous le faisceau et donc elles vont venir se déposer. Alors, là aussi, sélectivement et piloté au travers d'une CAD. Mais ici, on a la possibilité d'avoir une tête qui peut être pilotée sur plusieurs axes. On ne fait pas forcément de la fabrication de pièces, on va plutôt faire ici ce qu'on appelle du rechargement, où on va réparer certains dommages. On voit par exemple ici une aube de turbine. Rechargé par une certaine quantité de matière. On peut faire du dépôt de couches. Un des intérêts, c'est qu'avec cette technique-là, on peut avoir des buses, deux buses ou plusieurs buses chargées par des matériaux différents. Donc on peut faire du multimatériau. Pour la suite, je vais quand même me concentrer sur les techniques de fabrication additive liée vraiment aux matériaux métalliques sous forme de poudre. Là, le principe est le suivant. On a un lit de poudre métallique. On va venir, toujours pareil, couche par couche et sélectivement, venir chauffer localement par un faisceau laser ou un faisceau d'électrons. Donc on va avoir une fusion, en fonction de l'énergie, un frittage ou une fusion complète sous le faisceau. Et on va pouvoir construire des parties denses ou laisser une partie qui a quand même son intérêt. La poudre ici ne sera pas fondue et densifiée, mais ça a son intérêt parce que cette poudre va pouvoir servir de support à d'éventuelles parties supérieures. Support mécanique et aussi un intérêt dans l'évacuation de la chaleur. Alors, en fonction des techniques, on a des dispositifs à peu près similaire, un petit peu différent. Ici, par exemple, pour une technique de type de laser, on a une chambre de construction, on a la poudre qui repose sur un piston qui va s'abaisser petit à petit, et ça va s'abaisser d'un incrément de quelques dizaines de micromètres pour permettre
la poudre qui vient de d'une autre chambre, soit par un rouleau ici, soit dans le cas du faisceau d'électrons, c'est un râteau qui va venir amener la poudre sur la tranche supérieure depuis deux containers. Et puis le faisceau laser ou le faisceau d'électrons va venir fusionner localement cette poudre. Et on répète l'opération par step de 50 microns, 70 microns, selon les dispositifs. À l'issue de ce. Alors les tailles ici sont classiquement de la chambre de construction, c'est 20 cm par 20 cm par 20 cm, voire un petit peu plus dans certaines nouvelles machines. À l'issue de ça, on a un cake de poudre. Donc il y a toute une partie importante il faut dépoudrer ça. Donc on va venir souffler. Alors souffler souvent avec le même type de poudre qui a servi à la construction pour faire apparaître les parties métalliques complètement denses et favorables. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans une comparaison ou dans un combat entre faisceau laser, faisceau d'électrons. Chacune des techniques a ses avantages, a ses inconvénients. Je peux citer quelques caractéristiques typiques ici. Ici, donc, pour le côté laser, ici, pour le côté faisceau d'électrons. En termes de puissance de faisceau, on a des puissances de quelques centaines de watts pour le laser, jusqu'à quelques milliers de watts pour le faisceau d'électrons. On a des tailles de faisceau qui peuvent être plus fines pour le laser, de l'ordre de 100 microns. On a des vitesses de balayage. Alors là, ça peut impacter la vitesse de construction. La vitesse de balayage du faisceau est plus importante et beaucoup plus importante pour le faisceau d'électrons, puisqu'on a des focalisations par lentille électromagnétique, alors que là, ici, dans le cas du laser, bah, c'est mécanique. La taille des poudres dans le cadre de. Alors, j'ai pas mis ici. Ici. Dans le cadre du faisceau d'électrons, c'est de. La taille moyenne, c'est à peu près 60 microns pour des poudres utilisées en faisceau d'électrons. Pour le laser, on peut descendre sur des tailles plus fines, jusqu'à 10 microns, voire même un petit peu moins, dans quelques cas particuliers. Une différence en faisceau d'électrons, on va fabriquer en température, c'est-à-dire qu'on s'assurera que la chambre de construction est toujours à une certaine température. Alors, j'ai mis ici 750 degrés, ça correspond pour le matériau titane. Et puis on est sous vide, sous un vide partiel, sous un vide secondaire ici, alors qu'en laser, on est que sous atmosphère, on peut être sous atmosphère contrôlée. Dans le cas de faisceau d'électrons, il y a un seul fabricant, c'est un fabricant suédois, Arkham, alors que dans le cas de laser, il y a pas mal de fabricants. Le principal, ça a été OS en termes de machines vendues. On avait un fabricant en France, Phoenix, qui vient d'être acheté par 3D Systems, un Américain. A priori, des licences, des brevets liés au faisceau d'électrons vont bientôt tomber dans le domaine. Donc, ça se peut que d'ici quelques années, on ait aussi plusieurs fabricants du côté faisceau d'électrons. Et voilà le type de pièces qu'on peut faire et surtout le type de domaines qui sont adressés par ces techniques. Trois grands domaines. Le domaine de l'aéronautique. Ici, par exemple, une aube de turbine en chambre basse pression en TIAL, fait donc par faisceau d'électrons, par la société Avio. Deuxième grand domaine, c'est le biomédical. Un exemple ici de cotyle de hanche, avec une structure, alors des parties denses et puis des parties aussi poreuses, une structure qui vient simuler la structure trabéculaire. Et troisième domaine, c'est le domaine que j'ai appelé ici d'échange d'énergie, notamment grâce à la possibilité de faire des formes de plus en plus complexes. On y reviendra pour, par exemple, des échangeurs de chaleur. En tout cas, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que cette fabrication, ces techniques de fabrication additive, aujourd'hui apparaissent un peu comme un nouveau paradigme. De la même façon que les matériaux architecturés ou le Materials by Design présenté par Yves apparaissait un peu comme un nouveau paradigme dans le domaine de la science des matériaux, aussi, ça offre de nouveaux modèles de pensée. Dans le domaine. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû mélanger. Hop. Je vais revenir. Il y avait un transparent qui se baladait. Dans le domaine, déjà, de la fabrication en elle-même. La fabrication
additive s'oppose à la fabrication, ce qu'on peut appeler aujourd'hui soustractive, à tout ce qui est usinage par enlèvement de matière. Possibilité d'économiser de la matière. Par exemple, on donne souvent l'exemple du... Dans le domaine de l'aéronautique, pour fabriquer une pièce qui finalement pèsera 1 kg en TA6V, il faut partir d'une pièce de pas loin de 30 kg. On a souvent des buy-to-fly ratio dans l'aéro qui sont de 20 à 30. Dans le domaine de la fabrication additive, là, on va utiliser la bonne matière, la quantité de matière qu'il faut pour la pièce. Sachant, et je ne l'ai peut-être pas précisé, que à l'issue de l'opération de dépoudrage, la poudre est récupérée et donc on peut la réutiliser pour fabriquer une nouvelle pièce. C'est donc toujours un peu dans le même ordre d'idée, hein, si on veut rester dans le domaine par exemple du titane, la gestion des copeaux pour les titanes, ça pose encore des difficultés, c'est difficile à valoriser. Donc économie de matière, économie de temps si on intègre les temps par exemple de design dans le bureau d'études, depuis le bureau d'études, on n'a plus besoin a priori de désigner des moules, de fabriquer des outils pour réaliser les fabrications de pièces, tout se fait dans cette chambre de construction, on peut faire des très très petites séries, on peut s'autoriser des toutes petites séries, des pièces unitaires, des prototypes. Économie de matière, de temps, économie d'énergie, ça c'est encore discutable, il y a des études qui sortent là-dessus, alors c'est quand même toujours difficile d'évaluer notamment par exemple le coût total d'une pièce intégrant tout le cycle du produit, c'est difficile d'évaluer son empreinte CO2, il y a des études qui sortent là-dessus, bon, il n'y a pas encore de résultats vraiment nets en disant voilà, pour telle pièce, la fabrication additive est économiquement et énergétiquement favorable par rapport à tel ou tel autre procédé. Nouveau paradigme dans le domaine de la conception, dans le domaine du design, parce que cette fabrication additive autorise de repenser le design de pièces. Je donne ici deux exemples. Alors, je parlerai un petit peu plus tard d'optimisation topologique. Ici, une collaboration des pièces résultant d'une collaboration entre EOS et l'aéronautique, avec Airbus ou EADS. Des pièces de fixation qui ont été redesignées en vue d'un gain de masse, et dont les nouvelles formes qu'on voit ici par rapport aux anciennes formes ont été donc obtenus par fabrication additive, qui ne pouvaient pas être obtenus par un procédé classique. Dans cet ordre d'idée de s'autoriser toutes les formes possibles dans le design, on peut aller vers des très grandes complexités géométriques. Je donne deux exemples ici. Des matériaux qui étaient issus peut-être de réflexions uniquement théorique sur la capacité à créer par exemple des matériaux à coefficient de Poisson négatif, eh bien, on peut aujourd'hui les fabriquer et tester ces matériaux-là. Dans le domaine des échanges de chaleur, eh bien là, on voit qu'on peut aller chercher des formes de canaux de plus en plus complexes. Notamment, alors c'est un peu dans ce domaine-là, c'est qu'il y a Marc Thomas qui est dans la salle ici, avec l'ONERA, on réfléchit à dans la conception de parois pour protéger des chambres de combustion, la protection thermique de chambres de combustion, à créer des canaux de refroidissement à des formes un petit peu optimisées et qui seraient donc fabriquées par ces techniques-là. Et comparé à des matériaux actuellement fabriqués, par exemple, en frittage partiel de poudre. En gros, voilà, la fabrication elle, additive, elle nous autorise à fabriquer le trou en coin. On ne sait pas faire autrement. Donc, en tout ce sens, et j'essaie de remettre sur le même transparent, la fabrication additive et les matériaux by design, ou les matériaux architecturés, on est ici, voilà, on passe du prêt-à-porter au sur-mesure. Le sur-mesure, il est illustré ici aussi. Le sur-mesure à deux échelles,
Ici, un exemple, par exemple, d'un plan orbital en TA6V fait par EBM, par faisceau d'électrons. Donc, à partir d'un scan ici d'une personne, on a pu designer exactement la pièce qui collait pour cette personne-là. Donc, c'est une pièce unique. Donc, là, on est vraiment sur le sur-mesure. Et ce sur-mesure, il peut aussi, alors ça c'est pour la fabrication additive, ce sur-mesure, il peut s'appliquer aux matériaux architecturés parce que ici, pour ce matériau-là, il va falloir aussi dire je veux telle rigidité qui correspondra peut-être à une rigidité de l'os, ou je veux telle taille de cellule qui correspondra à une taille favorable à de l'ostéo-intégration. Et au niveau du matériau lui-même, je vais pouvoir faire aussi du sur-mesure. J'y reviendrai. Alors, l'analogie de passer du prêt-à-porter au sur-mesure, elle vaut ce qu'elle vaut, il faut faire attention, hein, justement, il faut faire attention aux effets de mode. Est-ce que la fabrication additive, pour l'instant, c'est un effet de mode? On est juste au début de l'histoire, il y a encore beaucoup de choses à comprendre, hein, ne serait-ce que parce qu'il y a encore très peu de matériaux qu'on peut réellement fabriquer avec ces techniques-là. Il se pose des problèmes au niveau des poudres, de la manipulation des poudres. Si on veut descendre à des tailles autour du micron, entre le micron et la dizaine de microns, il y a quand même des problèmes de manipulation, ne serait-ce que dans un environnement industriel. On a des problèmes de surface, je ne l'ai pas encore évoqué, mais effectivement, on le verra peut-être sur deux, trois images tout à l'heure, les finitions de surface. Elles sont ce qu'elles sont, on n'a pas encore un polymiroir avec ces techniques-là. Donc souvent, si on veut une surface quand même fonctionnelle, on est obligé de refaire un traitement de finition. D'autres traitements aussi possibles, je les évoquerai ensuite, on doit parfois faire un traitement de HIP, de compaction isostatique à chaud, pour finir de reboucher les quelques 0, 2-3% de porosité qui subsiste encore à l'issue du process. Et puis, de toute façon, on ne peut faire pour l'instant que des très petites séries. Dans cette deuxième partie, je vais essayer de regarder quelques points, quelques enjeux liés à ces techniques de fabrication et plus liés aux matériaux architecturés et aux matériaux métalliques, des points qui interviennent à différents niveaux de la chaîne de la fabrication additive, alors que ce soit au niveau de l'étape de design, de conception, au niveau de la réalisation, puis au niveau de la caractérisation structurale ou mécanique. Alors pour ce qui est des étapes de design et d'optimisation, quand on parle de matériaux architecturés, il y a un rôle clé qui est le rôle clé de la modélisation, et notamment de l'optimisation topologique. Je ne vais pas en dire énormément, parce que demain, il y a Natacha et Vermac et Laurent Lazy qui feront deux exposés sur ce domaine-là. Juste ici, pour situer les choses, là, c'est extrait de la thèse justement de Laurent Lazy. Pour cette optimisation topologique, l'idée, c'est de répartir au mieux la matière en fonction de propriétés contradictoires. En l'occurrence, là, on avait des matériaux qui pouvaient apparaître comme des matériaux sandwich, qui devaient être le plus isolant possible dans une direction, donc mettre le moins de matière dans cette direction-là, et puis qui devaient quand même résister à avoir une certaine rigidité en cisaillement, donc avoir de la matière. Donc cette contradiction pour une propriété, ne pas avoir de matière, et pour une autre propriété, avoir de la matière, comment on peut la résoudre? On la résout avec ces techniques d'optimisation topologique que présentera Laurent demain, en donnant un poids à chacune de ces propriétés. Et puis on a des solutions différentes. Cette solution-là, c'est si je donne tout le poids à l'isolation thermique et si je me moque de la tenue mécanique. Évidemment, là, j'ai zéro tenue mécanique, mais j'aurai la meilleure isolation thermique possible. Et puis en donnant un poids différent, on a des architectures différentes. À l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, pourtant, il y a 2-3 ans, mais on n'avait pas encore de machine de fabrication additive en métallique, en tout cas pas à Grenoble. Donc Laurent avait fait élaborer par la société Polycheb, par laser, des échantillons lorsqu'ils étaient en polyamide. Il avait testé, il avait regardé, il avait vérifié que les prédictions de l'optimisation topologique étaient relativement bien vérifiées par les résultats mécaniques de ces échantillons.
Ça, c'était l'optimisation en termes de design. On peut parler d'optimisation en termes d'architecture de matériaux. J'évoquais tout à l'heure les cotyles de hanche. Là, on a une structure cellulaire, une structure trabéculaire. Cette structure, elle peut servir soit à accommoder une certaine rigidité. Donc, on voudra viser une valeur de rigidité. Et pour ça, on pourra jouer sur certaines structures régulières ou stochastiques qu'on maîtrise assez bien d'un point de vue de la modélisation, avec des structures triangulées comme ça, on sait que les propriétés de l'os seront proportionnelles les propriétés, par exemple, comme la rigidité de l'os sera proportionnelle à la densité, avec des structures type comme ça, de type cellules de Voronoi qui travaillent en flexion alors que ces structures triangulées travaillent uniquement en traction-compression. On sait que la rigidité va avoir une relation avec le carré de la densité. Si on veut une rigidité donnée, on va pouvoir utiliser telle ou telle structure pour telle ou telle architecture pour ce matériau-là. On peut jouer sur la rigidité, on peut jouer aussi sur des propriétés liées par exemple à l'ostéo-intégration. On va pouvoir jouer sur la taille des porosités, voire aussi sur la rugosité des poutres élémentaires. Un aspect qui combine un petit peu les deux, là j'ai extrait d'une présentation récente de Stéphane Abed de la société Polychep. On peut à la fois mixer le redesign, la reconception d'une pièce, et utiliser comme brique élémentaire, comme brique de base, un matériau architecturé, par exemple un matériau cellulaire. On a quelques briques bien connues, on sait qu'on aura telle ou telle propriété avec ces briques-là. Et puis on peut remplir la structure, plutôt que d'être dense, par ces briques. Alors en fonction des caractérisations, des sollicitations mécaniques globales sur cette structure, il y a des zones qui seront plus sensibles ou pas à certaines sollicitations mécaniques. Il faudra peut-être mettre des structures lattices plus denses à certains endroits, moins denses à d'autres. Mais là, on a quelque chose, on peut jouer sur nos briques de base, toujours pareil, sur la densité de ces briques de base, pour jouer sur des propriétés mécaniques locales. Une grosse partie des recherches actuelles sur les méthodes de fabrication, c'est sur précisément la modélisation de la fabrication, alors au sens large. La modélisation de la fabrication, ça peut inclure la modélisation de l'objet lui-même numérique à partir d'un fichier CAO. Ça peut inclure la modélisation de la façon dont on va le découper. C'est pas anodin, la façon dont on va le découper en tranches pour que ça soit lu de façon plus ou moins facile par la machine. Il y a des travaux, notamment à Grenoble par Nicolas Béraud, là, qui réfléchit à un meilleur découpage. Par exemple, quand on a des structures cellulaires, quand il faut des structures donc cellulaires très fines, quand il faut les décrire par un maillage en triangle surfacique, ça fait énormément de triangles. Et quand il faut couper tout ça, on s'en sort pas avec la gestion des fichiers. Donc là, il y a des optimisations à faire. Et puis aussi, modélisation au niveau de la chambre de construction dans la machine, notamment l'interaction faisceau-matière, et puis modélisation de ce qui se passe, de l'histoire thermique, thermomécanique, dans toute la chambre de construction. Et à l'issue de ça, si on arrive à modéliser ces parties-là, on pourra modéliser aussi ce que j'appelle la stratégie de fabrication, c'est-à-dire la stratégie de pilotage du faisceau pour optimiser soit une propriété, soit un état de surface. Je donne un exemple. Alors, c'est complexe. La modélisation, par exemple, de ce qui se passe sous le faisceau, d'interaction matière-faisceau, là, il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus. Je donne un exemple, par exemple, de ce qui se fait à Erlangen, par exemple, en utilisant des méthodes de type lattice-Boltzmann, où là, ils essaient de prendre en compte vraiment toute la complexité de la chose. Alors, on peut apprendre beaucoup de choses. Il y a eu déjà beaucoup de choses de faites dans des domaines analogues, ne serait-ce que par la modélisation du soudage sous faisceau d'électrons. Là, on a une complexité supplémentaire, c'est qu'il y a une partie, il y a un matériau poudre. Donc là, il se passe, voilà, il faut tenir compte de la forme du faisceau, il faut tenir compte de la fusion du matériau poudre, de sa resolidification, donc d'un changement de phase. Il faut tenir compte de la conductivité thermique du matériau poudre qui est à côté, voire qui est en dessous.
Il faut tenir compte de défauts, peut-être, qu'il y a certaines poutres qui ne seront que partiellement fusionnées, donc qui apparaîtront comme des défauts dans un matériau qu'on voudrait dense. Il y a des aspects de radiation, enfin d'échange à la surface. Il peut y avoir des aspects alors liés à l'écoulement des fluides, des effets de convection, de force capillaire. Enfin, ça, c'est vraiment très complexe. Dans ce travail de thèse, l'étudiant arrivait à modéliser, alors je crois que c'était en 2D simplement, arrivait à modéliser l'effet, certains paramètres liés à la machine, l'effet par exemple de la puissance du faisceau, l'effet de la taille du faisceau, l'effet de la vitesse de balayage du faisceau. Il arrivait à prédire un petit peu, alors là, par exemple c'est en fonction de la puissance du faisceau, la taille de poutre droite, donc fabriquée sur quelques millimètres de hauteur. Tenir compte donc de la qualité de la fabrication à l'intérieur des poutres et tenir compte un peu de la rugosité. À une échelle un petit peu plus supérieure, pour ce qui se passe dans toute la chambre, on peut voir ça d'une façon un petit peu plus macroscopique. Ici, on peut voir ça comme un matériau 1, les poudres, un matériau 2, le liquide ou le solide. Donc, avec des propriétés effectives, on peut par exemple utiliser des modélisations éléments finis de type poudre, par exemple avec les logiciels comme Geodict. On en déduit une conductivité thermique effective, enfin des propriétés thermiques effectives. On peut tenir compte aussi de supports. Je ne l'ai pas évoqué, mais souvent, il y a trois niveaux de frittage. Enfin, il y a trois niveaux de matière dans ces bains. Il y a la matière qui reste poudre. Il y a une matière qui est partiellement frittée, qui va servir à tenir la matière qui, elle, est complètement dense ou à évacuer la chaleur. Donc, si on tient compte de ces trois niveaux de propriété, on peut faire des simulations, par exemple, du bain de ce qui se passe pendant le passage. Ici, on a le passage du faisceau et on regarde, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça la zone affectée thermiquement, mais enfin, l'affluence en fonction des différents paramètres, de la taille de la piscine de fusion et des propriétés résultantes. Et alors, une des grandes questions, là, ça c'est Nicolas Béraud qui fait ça à Grenoble. Une des grandes questions, c'est quelles sont les microstructures résultantes de ces histoires thermiques? Alors, c'est une question encore très, très ouverte. Je voudrais finir juste ici, c'est que à l'issue de ces modélisations, à terme, on pourra avoir comme ça des indicateurs pour mieux modéliser le pilotage du faisceau. En entrée, si on a la puissance, le focus, la vitesse de balayage, les trajectoires. En sortie, des stratégies de trajectoire. Par exemple, en ce moment, une solution proposée par le fabricant pour réaliser ici un cylindre creux, c'est de faire un contour comme ça, et puis ensuite de faire des balayages, hop, comme ça. Pourquoi pas essayer de prendre la main sur la machine, puis lui de faire des contours plutôt concentriques. Est-ce qu'on aura les mêmes microstructures résultantes? Est-ce qu'on aura le même état de surface? Ben ça, c'est pas encore clair. La modélisation peut aider à ça. Il y a d'autres aspects qui sont encore de l'aspect du niveau fabrication. Là, par exemple, des études. Qui pourrait apparaître comme évidente, mais enfin, il faut encore les faire. Ça, c'est par exemple dans le cadre de la thèse de Benjamin Vert. Quand on veut créer des petits cylindres creux, à l'issue du procédé, ces cylindres creux, ils ne sont pas creux, il y a de la poudre dedans. Alors, à l'extérieur, c'est solidifié, mais à l'intérieur, il y a de la poudre. Il faut encore évacuer cette poudre en soufflant, comme j'ai montré tout à l'heure. Est-ce qu'on peut enlever de la poudre de toute forme de cylindre? Ben non. Il y a des études là, qui montrent, par exemple, qu'en fonction du diamètre des cylindres, et puis à partir d'une certaine profondeur de cylindre, on ne pourra pas évacuer la poudre. Donc, certaines limitations du procédé. De même ici, en fonction de la durée qu'on appliquera, pendant laquelle on va appliquer la pression, et ben à un moment donné, on n'arrive à pas enlever la poudre, donc on enlèvera jusqu'à une certaine quantité, puis après, à un moment donné, ça ne servira à rien de continuer à envoyer de la pression, on n'arrivera plus à enlever la poudre. Je parlais de microstructure.
Donc, évidemment, pour toutes ces technologies, un des paramètres clés, un des enjeux, c'est le contrôle de la microstructure. Alors, pour certains matériaux, ces microstructures commencent à être bien maîtrisées. Je citerai par exemple l'exemple du TA6V. Ici, une microstructure résultant d'une aberration par faisceau d'électrons. On a une microstructure assez fine, assez classique du TA6V, avec ici des lamelles alpha dans des grains bêta. Une microstructure assez fine, une microstructure finalement dense, 0,1, 0,2% de porosité. Une porosité, j'en parlerai tout à l'heure, qu'on peut faire disparaître complètement avec un traitement de type HIP, par exemple. Une microstructure qui va être sensible quand même à l'orientation, à la direction de fabrication. Là, je donne un exemple ici, par exemple, là, c'est d'une poutre alors là, il y a un millimètre, de 3 mm à peu près de diamètre, qui est construite. Alors là, elle est montrée horizontalement, mais elle est construite verticalement dans le sens de la direction de fabrication. On voit, il y a un effet ici, avec des images BSD, on peut voir l'effet de la direction de solidification sur la forme et l'orientation des grains. On pourrait voir aussi l'effet de l'épaisseur d'une poutre comme ça, pour voir si sur les bords, on n'a pas des grains un petit peu différents des grains du centre. Donc là, la modélisation viendra aider. Tout ça pour dire au niveau des microstructures qu'aujourd'hui, pour certains matériaux, comme par exemple le TA6V, on arrive à obtenir des propriétés qui sont des propriétés qui satisfont aux normes. Aux normes, voilà, par exemple ici, alors ça j'ai repris ça dans une documentation ARCAM, où on donne des valeurs de limite élastique, de module Young, de limite à rupture, qui passent les normes requises, soit pour des matériaux forgés, soit pour des matériaux moulés. Des matériaux issus bruts de ce type de fabrication, souvent ne passent pas les normes en fatigue. C'est les 0,2% de porosité que j'évoquais tout à l'heure. C'est là, par contre, après un traitement de type compression isostatique à chaud, là, ces matériaux-là passent aussi les critères en fatigue. Alors, j'ai montré le cas où ça marchait bien. Il y a beaucoup de cas où on progresse par essai et erreur. Des fois, on se retrouve avec des structures comme ça, où là, on est partiellement solidifié, on est complètement dense, et puis il y a des endroits, voilà, il y a des endroits où la matière, c'est pas, les grains de poudre n'ont pas fondu. Donc, on retrouve des grains de poudre emprisonnés autour de matières complètement solidifiées. On retrouve, alors ça, c'est une mauvaise maîtrise des paramètres de la fabrication. Il peut y avoir aussi des petits défauts qui ne dépendent pas là forcément des paramètres de la fabrication. On retrouve quelques petites porosités qui sont plutôt liées, de par leur forme série, qui étaient plutôt des porosités qui étaient déjà incluses dans les poudres. Les poudres qui sont souvent fabriquées par atomisation. Il peut y avoir certaines de poudres qui sont en fait des coquilles creuses, où voilà, on a le gaz de l'argon qui est par exemple emprisonné. Ben, on retrouve encore ces petites bulles ici au sein de la microstructure. Ce sont ces types de petites bulles qu'on pourra faire disparaître avec un traitement postérieur. Contrôler donc le procédé, contrôler les microstructures, contrôler les architectures. Alors notamment pour des structures cellulaires, on travaille pas mal là-dessus à Grenoble. L'idée, c'est de se dire, bon, ok, très bien, d'après les modèles, nos architectures ici, cellulaires, nos réseaux, ils vont avoir des propriétés qui vont être fonction de la densité, de l'arrangement, ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais quid de ces propriétés si on tient compte du process? Alors là, on doit faire de la caractérisation. Alors, c'est par exemple dans la thèse de Mathieu Suard. Mathieu a été voir des poutres individuel pour ces structures régulières. Il a été voir ça donc au synchrotron, en tomographie aux rayons X. On retrouve ici, alors on voit ici, ben on retrouve les grains de poudre qui n'ont pas été solidifiés. On voit quand même qu'on n'a pas un beau cylindre impeccable. Hein. Là, c'était des poutres désirées de 1 mm. On est aux limites de ce qu'on peut faire avec ce type de machine. On va justement explorer du côté des matériaux cellulaires et pas du côté des matériaux massifs. On peut voir aussi qu'au centre, on est quand même complètement dense. Et ce qui peut être intéressant à faire, c'est de se balader dans toutes ces poutres et puis de regarder si... Je ne sais pas si ça marche là.
si on a tout le long de la poutre de la matière qui va nous assurer les propriétés mécaniques voulues. En faisant ça, en décrivant finalement une sorte d'ellipse inscrite, qui sera, elle, une ellipse de matière commune à toutes les tranches de la poutre, on peut se définir ici un rapport de matière utile. On peut définir ce rapport, voilà, qui sera le volume du cylindre ici sur le volume total de la poutre construite par EBM. Et bien, en fonction du diamètre qu'on a voulu à notre structure, on a des rapports qui peuvent être plus ou moins bons. Si on veut construire des poutres de 1 mm de diamètre, ben on n'a finalement que 50% de matière utile. La matière verte, elle ne sera pas trop utile. Alors là, je parle en traction-compression, par exemple. Il faudra aller à des poutres de 3 mm d'épaisseur pour avoir plus de 80% de matière utile. Mécaniquement, quand je dis utile, c'est mécaniquement parlant. Donc on construit en ce moment des cartes comme ça de propriétés qui dépendent de la qualité de la fabrication, et pas simplement des propriétés idéales issues de la modélisation. Au passage, on peut voir que ça sera intéressant là, de comparer ces visions, ces caractérisations 3D et tomographie avec les modélisations, par exemple, que je montrais tout à l'heure à Erlangen. Alors, j'ai évoqué que pour l'instant, il y avait quelques matériaux dans le domaine de... Alors, pour la fabrication additive de pièces massives, de pièces denses en métal, des matériaux comme le TA6V, ça c'est réglé, il y a des alliages cobalt-chrome, ça marche aussi relativement bien. Le contrôle des microstructures, ça sera vraiment un point clé pour la suite, hein, pour développer de nouveaux alliages. Alliage de titane, aller voir des alliages de cuivre. Là, ça se fait d'un point de vue recherche. Aujourd'hui, industriellement, il n'y a vraiment que des alliages de titane, enfin du TA6V, du TIAL, du cobalt chrome qui sortent. Récemment, en Suède, il y a des gens ont annoncé qu'ils avaient réussi à faire des verres métalliques avec construction par faisceau d'électrons, à vérifier. Les alliages d'aluminium, ça pose beaucoup de problèmes. Et puis, une autre question qui est le multimatériau. Pour l'instant, on ne gère qu'une seule poudre. Est-ce qu'on pourra faire des multimatériaux à l'avenir ? Contrôle des architectures. Alors, quel nouveau matériau en contrôlant les architectures, on peut aller vers des nouveaux matériaux. J'en ai déjà évoqué un petit peu. On peut aller fabriquer des matériaux qui étaient plutôt dans les catalogues de modélisation, des matériaux oxétiques, par exemple, donc à coefficient de Poisson négatif. Là, on avait fabriqué des matériaux modélisés dans la thèse de Justin il y a quelques années. Là, je reprends des résultats de Erlangen. Ils ont élaboré des matériaux à structure réentrante, donc ils sont capables de déterminer des coefficients de Poisson négatifs. À Erlangen, dans le même article, là, ils évoquaient des structures, alors qui n'étaient pas réentrantes, mais de type chiral. Ces structures potentiellement autoriseraient, alors est-ce que c'est un grand mot d'appeler ça de métamatériaux acoustiques, autoriseraient des absorptions de vibrations. Ici, on voit que dans certaines gammes de fréquences, il y a des gaps. Voilà. Par contre, pour l'instant, ces structures n'ont pas encore été élaborées, à ma connaissance. Contrôle des architectures, on peut jouer sur des gradients de porosité. Dans une même pièce, on peut jouer sur des porosités différentes. Dans les zones de la pièce, on peut avoir des porosités différentes. C'est un peu ce que j'évoquais déjà tout à l'heure pour l'os. On peut envisager d'avoir une structure, et puis cette structure, de la remplir par autre chose. On peut faire un matériau composite. Pourquoi pas immerger cette structure et puis mettre un polymère. On aurait vraiment construit la matrice et son renfort continu. Ou alors, immergé dans un matériau, par exemple, un changement de phase, on évoquait ça ce matin, Yves évoquait ça, on peut avoir ici la partie qui va autoriser une grande conductivité thermique et qui va autoriser aussi l'accueil de ce matériau à changement de phase. Et en jouant sur certaines caractéristiques topologiques, on peut jouer un petit peu sur cette vitesse ou pas de stockage, déstockage.
Donc voilà, juste pour conclure sur ces nouvelles technologies de fabrication additive, ça apparaît comme un nouveau modèle un petit peu de pensée en termes de construction, de fabrication. Il y a un potentiel. Il y a quand même encore, on est au début de l'histoire, donc il y a énormément de questions encore ouvertes. Pratiquement toutes les questions en fabrication additive sont des questions ouvertes. Alors est-ce que ça sera une révolution ou juste une évolution? Dans certains domaines comme les polymères, on peut penser que c'est vraiment une révolution. Là, j'évoquais ces petites machines où les gens vont avoir une construction, des machines de construction, de fabrication individuelle chez soi. Pour les matériaux métalliques, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore à révolutionner l'usine du futur. Hein. Ça reste une évolution. Même si, par exemple, cette année, en 2013, les technologies de fabrication additive avaient été listées comme les Deep Breakthrough Technologies par le MIT, et que ça avait été évoqué explicitement dans le discours de Obama, dans son discours sur l'état de l'Union. Il avait cité explicitement les technologies de fabrication additive sur la partie imprimante 3D. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des dizaines de millions de dollars là, qui sont réservés à la construction d'un réseau de 15 centres de fabrication dans tout le pays. Voilà, je voulais finir par donc juste la citation d'un autre grand homme. Je pense que tu avais dû dire ça, peut-être dans ta leçon inaugurale. Les matériaux, c'est un acteur majeur, ça peut rendre les choses possibles ou pas, et on peut peut-être rajouter aussi la fabrication additive.